Bonjour et bienvenue aux Diffusions Nouvel Onde. Aujourd'hui, on doit faire le lien entre le jeu de basketball et Fais du bruit! J'aimerais vous présenter l'homme qui se présente sur le terrain du basketball, des Sudbury Five au Grand Sudbury, Monsieur Skyler Larocque. Bienvenue, Skyler. Merci. Bon. Mais Skyler, c'est une élève au Collège Cambrian dans les travaux civiques. Oui. Joue sur l'équipe soccer de Cambrian. Aussi est un étudiant de l'école de Clare School of Dancing, qui est vraiment que c'est ta famille, ça. Oui. C'est ça. Ça, c'est ta mère et ta grand-mère. C'est ta grand-mère qui est fondatrice, mais ta mère, elle l'a repris aussi. Puis, oui. Puis de là, ça, tu as toujours été impliqué dans la danse. Mais Skyler, c'est que peut-être vous le reconnaissez comme l'homme qui fait le saut par en arrière, le backflip pour les Sudbury Five dans le dance squad de Sudbury Five. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon. Écoute, so, j'aimerais savoir, so, comment est-ce que tu fais pour rentrer dans la danse? Je comprends que c'est ta mère, ta grand-mère, sont inclus là-dedans, mais c'est pas, ça veut pas dire que tu as aimé ça, tu as voulu voir ça, mais je vois, quand je te vois danser, c'est une passion. Oui. So, où est-ce que ça a commencé, cette passion-là? Ben, ça a commencé tout sur le côté de ma mère, même tous mes cousins plus vieux que moi. J'étais toujours au studio, que j'étais un bébé jusqu'à temps maintenant. Ben, j'ai toujours regardé tous mes grands cousins danser, puis ça m'intéresser après ça, puis j'ai commencé à l'âge de 3 ans. OK. Puis là, de là, quel style que tu as dansé? J'ai toujours commencé avec le jazz puis le ballet quand j'étais petit. Puis maintenant, je fais le jazz, le hip-hop, le contemporain puis le tap. So, pour ceux qui ne connaissent pas ça, qui n'ont pas l'occasion de vraiment étudier la danse, ce sera quoi la différence entre les différents styles? Comme tu mentionnes, jazz. Jazz, c'est toujours, c'est beaucoup le style de la musique qui va changer le style de danse, puis c'est toujours qu'est-ce que tu vas porter sur tes pieds. Okay. Comme le tap et le jazz, c'est presque la même chose, mais la tap, tu vas avoir les claquettes sur tes pieds. Ah, okay. Mais pour le jazz, tu vas avoir pas de souliers ou des souliers de jazz, que c'est juste un peu de choses sur tes pieds, ça tu peux tourner et tout ça. OK. Puis le ballet, c'est celui que tu danses sur tes orteils, là. Oui, ça, c'est le point. Puis il y a du ballet. Ça, c'est la même chose. C'est les souliers qui vont être différents. Les souliers de point, okay, c'est du bois sur les orteils. Ça, il peut aller sur leurs orteils. Mais le ballet, c'est toujours pas exactement sur leurs orteils, mais sur la balle de leurs pieds. OK. Bien, OK. So, qu'est-ce que le ballet, right? Qu'est-ce que ça ferait? Y a-t-il un avantage de connaître le ballet, spécialement comme tu danses du hip-hop, là? Oui. So, ça sert quoi l'avantage de ça? Définitivement. Il dit que le ballet, c'est toujours la fondation de tous les styles, spécialement le jazz et le contemporain. Ça va t'aider avec tous les sauts puis tous les tours. Puis ça m'aide avec le hip-hop beaucoup, avec tous mes trucs. Puis ça m'aide à sauter très haut. OK. So, je fais ça bien, là? C'est-tu comme ça? Non? Pas mal. Okay. Ouais, montre-moi ça. Ah, oh, OK, bien mieux. Puis là, puis une des choses que tu fais en hip-hop, c'est quoi? Oh, ça fait mal, c'est ça? Je me rappelle de... Le hip-hop, c'est toujours, on dit, c'est grounded, c'est toujours sur le plancher beaucoup. T'es pas vraiment dans l'air beaucoup. OK. So, habituellement, t'es très foncé dans le plancher, puis tu veux toujours rester en bas quand tu es en hip-hop. Moi, je sais, si je ferais le hip-hop puis je me baisse, je reste sur le plancher, je me lève pour moi, ça va être fini. Mais tu sais quoi? Je connais une élève de l'école Horizon, OK, à Valcaron. Son nom, c'est Chloé Rinaldi, puis elle aussi, elle a une fondation dans la danse. Serais-tu voulant de travailler avec elle puis montrer, tu sais, peut-être la routine, le chorégraphe de Sudbury Five? Oui, définitivement. OK, mais je vais voir si je suis capable de rentrer ça. Oh, elle est tellement proche. C'est correct, ça va être mieux à la danse. Oui, pour commencer, on va commencer avec les pieds en parallèle, nos bras dans le milieu. Puis après, quand ça va commencer, on va lever notre tête, puis on va mettre notre bras droit en haut, en bas, puis à gauche, puis à droite. Puis après, on va glisser à droite.
Puis après, on va sauter trois fois. Un, deux, trois. Puis après, on va sauter en parallèle au coin. Puis après, on va mettre nos mains en haut. On va plier à droite. Puis avoir pris à gauche. Puis après, on va glisser en arrière. Puis après, on va faire un petit saut comme ça. Un, deux, trois. Puis on va au milieu. Les mains, ça va être milieu, plus haut, avec les pieds qui vont droite, gauche à droite. Ça, ça va être un, deux, trois. Puis après, on va sauter au milieu. Puis on va kicker nos pieds, droit, gauche, droit. Puis après, on va sauter au milieu encore. Nos mains vont aller à droite, à gauche, puis à droite, avec nos pieds qui vont aller à droite, à gauche, puis à droite encore. Pour finaliser, on va faire un petit tour. Puis après, avec le dernier bruit, on va lancer nos bras. Bon, ben, un grand merci à M. Skyler Larocque de Subway 5 qui va danser à chaque jeu jusqu'à temps qu'on va espérer que l'équipe va se rendre au final cette année. Hein? On espère. Ben, merci beaucoup. Un gros merci à Chloé aussi pour avoir dansé. Man, elle est tellement plus bonne que moi. Bon, Skyler, est-ce que tu serais capable de nous démontrer comme à vitesse, là, exactement, là, c'était dans le milieu de la joute, là, t'es dans le milieu de, tu sais, du halftime, là, OK? Puis c'est ça, cela, le squad, il rentre, puis là, c'est tout plein d'énergie. On a de la musique qui saute, on a les fans, right? L'auditoire, ça crie, waouh! Puis là, Skyler, il est là, puis il fait son chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un backflip, Ben, Skyler, tu voulais nous faire un solo juste pour partir? Oui, définitivement. OK, moi, je m'enlève du chemin.